Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cadre original puisque c'est sur un ferry que nous allons passer une partie de la nuit ensemble. Une croisière qui nous amènera de la Normandie à l'Angleterre avec à bord du théâtre, des concerts et autres performances. Cette expérience artistique, c'est Deep Haven, le festival transmanche d'art contemporain. Les artistes sont d'ici et d'ailleurs et vont nous transporter dans l'univers du voyage, du rêve et de la fête. Alors que la traversée commence! On est entre deux côtes, on est entre deux langues, on est entre deux falaises. C'est les deux falaises qui se font face, qui sont comme à l'envers ou en miroir. Donc entre deux, c'est vraiment cet espace de entre qui est la Manche finalement et qui est un espace un peu indéterminé. Moi avant, j'avais fait une biennale d'art contemporain à Dieppe qui s'appelait Le Temps d'une marée en 2005 et 2007. Et puis en 2010, Philippe Terrier-Herman m'a dit j'ai vu ce que tu as fait, je veux travailler avec toi, etc. Donc on a monté ensemble le festival Deep en 2010 et puis Sarah Michel nous a rejoint et voilà, donc ça fait la cinquième édition. Pour moi, Dieppe, c'était la ville du ferry, c'était la ville qui est reliée avec l'Angleterre et c'est d'ailleurs le ferry que je prenais très souvent pour aller à Londres quand j'étais ado. Et donc on s'est dit c'est un lieu et c'est un symbole super important. On a fait un concert improvisé avec des cassettes audio qui repassent dans des synthés et toutes les cassettes qu'on a choisies sont faites avec des bandes son de films d'exploitation où il y a toujours question de mer ou de monstres marins ou en tous les cas quelque chose autour du bateau et du film catastrophe par exemple. Là, le fait d'être sur un bateau, ce qui est intéressant, c'est justement, il y a tout le roulis là, qu'on ne sent pas évidemment avec la vidéo, mais il y a une sorte de chose comme ça, voilà, c'est avec les vagues. Et donc, en fait, en faisant la musique, on essaye de retrouver aussi ce côté-là et un peu de bercer les gens. J'enchaîne avec un autre groupe de rock. Pareil, on a fait un projet spécial pour le ferry et on joue comme le Portsmouth Symphonia qui est un projet où les non-amateurs, donc les professionnels, étaient invités à jouer d'un instrument qui n'était pas le leur, ce qui fait qu'il y a une espèce de cacophonie ambiante mais qui marche parce que tout le monde est ensemble et que ça tient sur un truc de performance quasiment. Nous sommes des plasticiens qui avons décidé de faire de la musique pour s'amuser. On ne fait pas ça à plein temps professionnellement, on a juste commencé pour passer du temps ensemble et s'amuser, avoir du plaisir à jouer de la musique sans code, sans partition, en essayant de s'écouter en fait. Les artistes qui font des performances sur le ferry, on les a sélectionnés par appel à projet. Donc on a communiqué une proposition avec un cahier des charges et des artistes ont répondu et donc on a sélectionné un certain nombre de projets que les gens peuvent découvrir aujourd'hui. C'est des artistes qu'on a choisis qui travaillent spécifiquement sur le territoire, qui sont assez engagés politiquement, socialement. Le sable dans les poches, c'est l'idée d'un souvenir. Donc c'est l'idée d'un souvenir sur une plage à laquelle on n'a plus accès. Donc c'est la plage de New Haven et c'est la plage où les jeunes ont l'habitude d'aller apprendre à nager, où les familles vont parce que c'est une plage qui s'étend sur très peu de profondeur pendant longtemps.
Et donc quand cette plage a été interdite d'accès pour des raisons de sécurité par rapport au port de New Haven, on a décidé donc de faire une œuvre qui posait la question d'accessibilité à la plage. Ce pochon, après, vous l'emportez dans votre poche, et avec un peu de chance, il s'ouvre, et puis vous avez du sable dans les poches. Et donc dans 2 semaines, quand vous mettrez la main dans votre poche, vous demanderez « mais j'étais à la plage ?» Alors qu'en fait, vous n'y êtes pas allé. Venir avec des gens qui ne sont pas habitués à ce genre de rencontres et à la fois qui ne s'attendent pas, on les prend un peu en otage sur ce bateau, et donc ça marche bien et c'est rigolo. Est-ce que vous pourriez me parler un peu de votre performance? Oui, c'est un théâtre. Donc, il y a 15 personnages de Moby Dick. Et il faut trouver qui a tué Moby Dick, la baleine. Ça, c'est les enveloppes. On a les instructions. Et en ouvrant, vous avez les caractères en anglais et en français. Et il doit chercher des autres personnages, parler avec eux et leur demander qu'est-ce qu'ils savent, et voilà. Sonia, qui vous êtes dans ce théâtre participatif du meurtre de Moby Dick? Alors, dans le meurtre de Moby Dick, il se trouve que je suis le capitaine du bateau, donc je m'appelle Akab, et j'ai la lourde responsabilité de mettre un peu d'ordre dans cette enquête qui part un peu tous azimuts, parce qu'on ne sait pas qui est qui. L'idée, c'est ça, c'est on a des cartes et on doit ensuite aller voir un peu les gens qui se baladent autour de nous, qui ont des cartes aussi, et en fait, on a des indications et on doit aller parler à certaines personnes en fonction des indications sur notre propre carte. Donc on sait qu'il y a des personnes dont on doit se méfier, des personnes, au contraire, on peut y aller, on peut avoir confiance. Voilà, c'est un peu indiqué d'avance. Tout le festival est un peu basé sur cette question de vouloir casser les frontières. Et donc aller dans le bateau, c'est abattre les frontières entre les Français et les Anglais, abattre les frontières sociales et se dire que toute la culture sous toutes ses formes, c'est aussi la forme de tolérance de l'autre et la forme de tolérance de différents types de musique, différents types de créations artistiques. Dans le bateau, il y a à la fois des gens, la musique c'est proche du hip-hop ou du bebop, etc. Enfin, je ne me connais pas très bien. Et il y a une violoncelliste qui joue dans un autre salon. Et en fait, toutes les musiques sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas l'opéra pour les riches et le rap pour les pauvres. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve après une courte pause pour la suite du festival Deep Haven. A tout de suite.